On accueille à distance Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste défense, journaliste pour Air et Cosmos. On va faire le point avec vous sur le modus operandi probable de cette attaque. Tout d'abord, Nivin, que sait-on de ce qui s'est passé cette nuit ? Encore flou, mais vraisemblablement une voire deux explosions ont endommagé le 145e pilier du pont de Kerch. L'attaque a eu lieu cette nuit aux alentours de 3h du matin et sur cette vidéo, eh bien, on aperçoit une première explosion assez spectaculaire. Vous allez voir, c'est dans seulement quelques instants. Voilà, première explosion et puis dans la foulée ce qui semble être vraisemblablement une deuxième explosion, mais ce n'est pas encore sûr. En revanche, ce qui est certain, eh bien, c'est que cette déflagration a provoqué d'importants dégâts sur le pont. Regardez par exemple ces images publiées ce matin. On voit un trou béant dans la chaussée. Image particulièrement impressionnante. Là, c'est un autre point de vue. Vous le voyez, la vidéo l'est tout autant. On voit effectivement ce trou béant dans la chaussée, dans la partie routière du pont de Kerch. La partie ferroviaire, elle, en tout cas, semble avoir été épargnée. Selon les autorités russes, deux personnes sont mortes dans cette attaque. Une autre personne a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont plus en danger. Et puis après des heures et des heures d'embouteillage, eh bien, la majorité des véhicules qui se trouvaient sur ce pont ont pu être dégagés. Les automobilistes qui voulaient traverser, eh bien, ils ont pu emprunter les ferries. Un premier train également a repris. Voilà pour la partie donc routière-ferroviaire. Très intéressant aussi de regarder un autre angle de ce pont. Vous le voyez vraisemblablement un peu plus loin, et bien juste ici, hein, vous le voyez juste là, et bien là c'est une autre partie du pont qui a été totalement affaissée. On le voit encore mieux sur ces images. Vous le voyez, pont donc totalement affaissé. La circulation, je vous le disais, des trains a repris, puis l'heure est désormais, eh bien, à l'enquête avec des premiers agents qui sont arrivés très tôt ce matin, qui sont donc sur cette partie totalement affaissée du pont de Kerch et qui ont commencé, eh bien, à recenser les premiers indices, images qui nous sont parvenues il y a un peu plus d'une heure du Comité national antiterroriste. Et justement, Nivin, que sait-on de cette attaque et des responsabilités ? Alors, vous venez d'entendre Dimitri Peskov qui accuse Kiev. C'est vrai que dès ce matin, Moscou a pointé du doigt Kiev et plus précisément ses services de renseignement secrets. On pouvait lire sur le compte Telegram du Comité national antiterroriste russe, à 3h05, deux drones navals ukrainiens sans pilote ont attaqué le pont de Crimée à la suite de l'attaque terroriste. La partie routière du pont a donc été endommagée. L'attentat a été commis par des membres des services spéciaux ukrainien. Et de là, Marine, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, va même plus loin et accuse, eh bien, les services spéciaux américains et britanniques d'être impliqués dans cette attaque, en tout cas de l'avoir planifié aux côtés de Kiev. Évidemment, ni Washington ni Londres n'a souhaité commenter ces déclarations. Et puis du côté de Kiev, on a reconnu à demi-mot, mais alors vraiment de manière très subtile, eh bien, une implication éventuelle de ces services de spéciaux dans cette attaque, puisque à l'AFP, une source du SBU a dit: l'attaque d'aujourd'hui contre le pont de Crimée est effectivement une opération spéciale du SBU et de la marine. Le pont a été attaqué à l'aide de drones navals, mais les autorités... Merci beaucoup, Nivin Potros. On parle donc de drones navals. C'est spectaculaire ce qui s'est produit cette nuit, hein, sur ce pont de Kerch. On est avec vous en direct, Gaëtan Powys, vous êtes spécialiste défense. Bon, c'est effectivement le modus operandi qui vous semble probable, d'après ce qu'on voit, hein, sur les photos, des dégâts engendrés par l'explosion, par l'attaque. Oui, tout à fait. Sur une des images de profil du pont, on voit tout à fait que le tablier, donc le dessus du pont, est entièrement, semble entièrement intact. Donc on n'est pas sur un impact, sur une explosion qui s'est produite au-dessus du pont, mais bien par en dessous. Donc on n'est pas sur un missile ou sur un drone, on est vraiment sur deux drones maritimes qui ont explosé à côté du pilier et qui ont donc permis l'affaissement du pont. Ouais. Alors bon, ça veut dire qu'ils sont partis de très loin, ces drones navals. Ils seraient partis d'Odessa. On savait que des drones pouvaient avoir une telle amplitude.
Alors, c'est ça qui étonne dans cette attaque. Donc, parce que le pont de Crimée avait déjà été endommagé précédemment, mais vraiment le gros étonnement, c'est la portée de ces drones. Donc, les drones normalement sont assez petits, ont un petit moteur, donc ont vraiment, ce n'est pas censé faire la distance entre les premières lignes ukrainiennes, les premières lignes côtières ukrainiennes et le pont de Crimée. Donc, est-ce que les Ukrainiens ont réussi à s'approcher avec un bateau non loin de la zone pour lâcher les drones? Est-ce qu'ils ont utilisé des forces spéciales qui se trouveraient derrière les lignes russes et qui ont réussi à transporter ces bateaux via un cours d'eau ou via d'autres moyens qui nous sont pour l'instant inconnus? Donc oui, il y a vraiment eu une volonté de la part des Ukrainiens de projeter leurs moyens, et ce, loin derrière les lignes russes. Ouais, merci, restez avec nous Gaëtan Powys. Bon, on ne sait pas d'où sont partis ces drones. S'ils sont partis d'Odessa, le général Dutartre disait tout à l'heure, ça fait peut-être plus de 700 km à parcourir. Ça vous semble possible? Alors, il faut remettre ça en perspective. Les Ukrainiens mènent depuis un certain temps maintenant des attaques à l'aide de drones navals, alors contre la base navale de Sébastopol notamment. Et ce week-end d'ailleurs encore. Et encore ce week-end, contre également un navire russe qui se trouvait au large de la Turquie, donc assez loin finalement de leur base. Donc oui, l'hypothèse qui est mentionnée, qui puisse être celle d'un bateau porteur, ouais, qui est aidé, potentiellement un bateau camouflé entre guillemets en bâtiment civil, qui est aidé à approcher ces drones et à les mettre à pied d'œuvre, est possible. Après, on peut imaginer aussi que les Ukrainiens aient développé des drones avec une plus longue portée, puisque c'est des technologies qui évoluent assez vite malgré tout. Ça, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait en tout cas avec certitude, c'est que les Russes ne sont pas capables de les arrêter aussi, ces drones, puisqu'ils sont arrivés jusqu'au pilier du pont. Ce sont des petites cibles qui sont relativement difficiles à détecter. En plus, elles ne sont pas très hautes sur l'eau, donc il suffit que la mer soit formée et elles peuvent tout à fait se camoufler dans la houle. Donc c'est assez difficile de les détecter. Il a été question aussi un temps d'une attaque de missile. Il n'est pas impossible non plus que les Ukrainiens aient fait diversion en simulant une attaque aérienne en même temps qu'ils menaient cette opération. C'est des opérations qui, en fait, sont assez peu coûteuses à monter, parce que ces drones-là ne sont pas très chers, et qui reposent sur bien la saturation. C'est-à-dire, plus vous essayez, statistiquement, il y a un moment où vous allez finir par passer. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur Sébastopol, où l'essentiel des attaques ne réussissent pas, mais une fois de temps en temps, eh bien, ça peut réussir, et dans ce cas-là, l'effet recherché est atteint. Et on imagine que la base de Sébastopol est très protégée, mais on pensait que le pont de Kerch l'était tout autant. Alors, manifestement, ce n'est pas le cas. Tempoïs, qu'est-ce qu'on sait de ces systèmes défensifs qui ont été mis en œuvre par la Russie? On rappelle quand même que ce même pont avait déjà été touché il y a 9 mois. Oui, effectivement, donc les défenses russes se sont énormément développées du côté du pont de Crimée. On a beaucoup plus de systèmes anti-aériens qui sont déployés. Il y a même des systèmes fumigènes pour littéralement camoufler le pont dans un brouillard artificiel. Il y a des déflecteurs radars pour éventuellement essayer de brouiller les missiles qui s'approcheraient du pont. Donc il y a vraiment une énorme capacité, une énorme volonté en matériel de pouvoir... un énorme déploiement de matériel pour pouvoir protéger le pont. Après, je reviens je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Billon disait précédemment, puisqu'il y a eu, en plus de cette attaque et qui semble confirmer l'attaque maritime, hier soir, les Russes confirmaient que la base de Sébastopol avait été attaquée par des drones marins. Dernière chose aussi qui semble confirmer l'attaque de drones marins, c'est le fait que les ferries qui font la liaison entre la Crimée et la Russie ont été bloquées au port. Donc il y avait une volonté pour les Russes de pouvoir contrôler la mer et donc de détruire le premier engin qui flottait dans la zone sans devoir réfléchir à est-ce que c'est un navire civil ou pas. Oui, mais alors ça ne marche pas, tout ce système de protection que vous venez de nous décrire. Ça marche, c'est-à-dire que ça marche dans la mesure où ça accroît la difficulté pour l'assaillant. Maintenant, il n'y a pas de cuirasse impénétrable. Voilà, ils ont trouvé la faille, en fait. Ils ont trouvé une faille. Oui. Très probablement, les Russes vont corriger la faille et il faudra trouver une autre faille pour reproduire l'attaque. Et c'est un petit peu ce jeu de trouver le défaut de la cuirasse en permanence qui se joue. Ouais. Sinon, Gaëtan Powys, ces drones navals, on parle de quoi exactement ?
On est sur des bateaux très légers qui sont téléguidés. On est vraiment sur quelque chose qui fait aux alentours de peut-être 500 kilos. Parfois, c'est simplement un navire que vous pouvez louer au port, qui a été modifié avec un moteur un peu plus silencieux et qui est tout simplement qui reprend juste une charge militaire, donc des explosifs, et une quantité de carburant suffisante pour pouvoir le projeter jusqu'à sa cible. Il y a également un système de communication avec une caméra qui permet à quelqu'un de contrôler le bateau, ou éventuellement un système GPS, et donc l'engin en question ne fait que se rendre à certains points GPS et va frapper au dernier point GPS, explose automatiquement au point GPS. On est vraiment sur quelque chose, donc il n'y a pas de personne sur le navire, sur le drone en question, c'est soit téléguidé, soit opéré de façon autonome avec des points GPS. Alors Gaëtan Powys, ce qu'on voyait à l'image juste avant, c'était une sorte de... on ressemble le reconnaître un jet ski. C'était dans le port de Sébastopol. Hein, c'est ce que les Ukrainiens, selon les Russes, auraient lancé à l'assaut de cette flotte russe en mer Noire, dans le port de Sébastopol. C'est de ça dont on parle ? Alors, donc là, on est effectivement, ça ressemble beaucoup plus à un jet ski. À voir s'il a été modifié pour prendre une charge militaire ou s'il s'agit simplement d'un jet ski donc téléopéré, mais qui sert de diversion pour d'autres drones. Donc les Russes arrivent à le détecter et ne détectent pas les drones avec les munitions qui essayent de rentrer dans le port en question. Il y a eu des vidéos d'une attaque hier où on voit justement toute la défense de Sébastopol s'acharner sur une seule et même cible, à voir si c'était le but de ce jet ski et essayer de laisser passer, d'attirer l'attention des Russes sur ce jet ski et tenter de pouvoir tenter les drones kamikazes pour rentrer sur le port en question. Merci beaucoup Gaëtan Powys pour vos lumières et puis peuvent être des